Coque. Et voilà donc Chant du Coq, un pur cheval d'obstacle, mais pas que. La preuve, contre toute attente, ce cheval qui a vraiment une vraie origine d'obstacle a été capable de gagner une course B à 2 ans et 5, à Saint-Cloud. Alors pour gagner un Méden course B à 2 ans à Saint-Cloud, je peux vous dire qu'il faut bouger les jambes en plat, c'est très difficile et ce Chant du Coq y est parvenu. Bien que fils de Voix du Nord, le vrai étalon d'obstacle. Et regardez-moi cette origine. Il y a Voix du Nord, Nikos, Cadoudal, et à la génération présente, c'est Carmarten. Que des grands chefs de race de l'obstacle français et international dans les 40 dernières années. Alors, au niveau maternel, je vous raconte pas, comme on dit, c'est le propre frère de César Palas, gagnant du Pépin Vaste, du prix de Longchamp, du Carmarten. Vous vous souvenez, ce cheval entraîné par Jean-Paul Gallorini, qui a à peu près tout, comme la plupart des membres de sa famille, qui gagnait toujours de bout en bout. C'est aussi le demi-frère d'un grand étalon, Cocorico. A-t-on besoin de présenter une nouvelle fois ce patriarche du haras de Cercy, Cocorico. Lui-même, après son exploit à l'âge de 2 ans, s'est illustré sur le d'obstacle. Il s'est placé du prix André Masséna, la grande course de haie des 4 ans de Cagnes-sur-Mer. Il fait la monte Chant du Coq à 1 600 € au haras de la Barbotière, chez Sophie Roussel, qui va nous en parler dans quelques instants. Et il va se passer quelque chose de très important pour Chant du Coq cette année 2023, car il va avoir sa première génération de 3 ans. Sophie.